Bonjour, comment t'appelles-tu? Corentin. Quel âge as-tu? 14 ans. Tu as des frères et des sœurs? Oui. Ewen et Maïna. Tu vis avec tes deux parents ou tes parents sont séparés? Je vis avec mes deux parents. Pourquoi tu es ici à l'IEM, l'Institut d'éducation motrice? Parce que c'est un handicap. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est ton handicap? En fait, c'est une personne qui a coulé dans ma tête. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Et qu'est-ce que ça te fait du coup? Ça t'empêche de faire des choses? Non. Tu peux tout faire? Oui. Couper les aliments. Tu as du mal à couper les aliments, d'accord? Oui. Donc tu as besoin d'aide? Oui. Le midi, quand tu manges au centre, qui c'est qui t'aide pour couper les aliments? Un adulte. C'est toujours le même? Non, des fois ça change. D'accord. Il y a d'autres choses que tu as du mal à faire, à part couper tes aliments? Non. Ça, c'est à moitié de tout faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Conduire une voiture. En classe, est-ce que tu arrives à tout faire? Sauf à lire. D'accord, c'est difficile? Ouais. Parce que tu as du mal à te souvenir des choses? Ouais. D'accord. Et par exemple, il y a des ateliers techniques à l'IEM? Oui. Est-ce que tu peux dire ce qui existe comme atelier technique à l'IEM? La serre. La serre. Quoi d'autre? Le bois. Le bois. La cuisine. Il y a un atelier que tu préfères parmi ces trois? La serre. La serre. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu peux faire à la serre? Ben, on peint des fers. Tu aimes ça? Oui. Et ça, tu y arrives? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'IEM, Corentin? Le cheval. Quoi d'autre? La glace. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans l'IEM? J'aime tout. Tu aimes tout? C'est bien ça, Corentin. Ouais. Tu dors parfois à l'IEM? Oui. Tu aimes ça? Une nuit par semaine. Une nuit par semaine, tu aimes ça? Oui. Et qu'est-ce que tu fais le soir pour t'occuper? Je joue avec mes voitures. Tu as des voitures? Oui. Tu en as beaucoup? Trois, des fois. Et tu joues tout seul avec tes voitures ou tu as des copains ou des copines pour jouer avec toi? Je joue tout seul. Tu as autre chose à rajouter pour les jeunes Kémine et François Beauvoir? Non. Ben, merci beaucoup, Corentin. Au revoir. Au revoir. Bonjour, comment t'appelles-tu? Nora. Quel âge as-tu? 14 ans. Tu as des frères et des sœurs? Non. Tu vis avec tes deux parents ou tes parents sont séparés? Sont séparés. Pourquoi tu es à l'IEM? Parce que j'ai une maladie. T'as une maladie? Est-ce que tu connais le nom de ta maladie? Non. Et qu'est-ce que ça te fait cette maladie? Tu peux expliquer? Il y a des choses qu'elle t'empêche de faire? Oui. Si tu es ici et pas ailleurs, c'est parce que, par exemple, tu ne peux pas faire quoi? Tu es souvent très fatiguée? Oui. D'accord. Et ça, c'est lié à ta maladie? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire? Est-ce que tu sais lire? Oui. Tu sais écrire? Oui. Tu aimes ça? Oui. Et donc à l'IEM, tu vas à l'école? Oui. Comment ça se passe? Bien. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille. Sur quoi, par exemple? Sur le tableau de théâtre. Tu aimes ça? Sinon, à part la classe, qu'est-ce que tu fais d'autre dans l'IEM que tu aimes faire? La cuisine. La cuisine, tu sais faire un plat en particulier? Non. Non, mais tu apprends à faire? Oui. D'accord.
Quoi d'autre? Elle aime bien le cheval. Elle aime bien dormir ici. Qu'est-ce que tu fais le soir quand tu dors ici? Comment tu t'occupes? Je fais ma douche. Tu peux te faire ta douche toute seule? Oui. Tu fais tout toute seule? Oui. Les cheveux. Les cheveux, tu peux le faire seule? Oui. D'accord, c'est bien. Après, j'ai la télé le soir. Après, on va manger. Et après, j'ai la place où on dormir après le train. Tu as une chambre pour toi toute seule? Non, j'ai deux personnes. Tu t'entends bien avec? Oui. Tu parlais de télé. Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé, par exemple? Des films. Sur le groupe, parce qu'il y a des moments où tu es en rééducation, d'autres en classe. Il y a des moments où vous êtes sur le groupe. Qu'est-ce que tu aimes faire sur le groupe? On fait le groupe, le ventre du matin. Tu peux dire des exemples de sorties que vous avez faites, que vous avez aimées? On a été à Jiffy. On a été à Mondiago. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas à l'IEM? Tu aimes tout? Oui. Tu es heureuse? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter pour les jeunes que vont voir Emily et François pour apprendre à vous connaître? Oui. Non? Bah, merci beaucoup, Enora. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Pierre. Tu as quel âge? 14. Tu as des frères et des sœurs? Deux. Plus petit ou plus grand? Plus petit et plus grand. Tu vis avec tes deux parents ou tes parents sont séparés? Non, mes parents sont... Ils sont ensemble. Très bien. Pourquoi tu es ici à l'IEM? D'un handicap. Est-ce que tu peux expliquer ton handicap? C'est marcher... Droit. Il n'y a pas d'autre chose que tu n'arrives pas à faire par rapport à ton handicap? Mes mains. Est-ce que tu te souviens de tout, par exemple? Non. C'est lié à ton handicap? Oui. Qu'est-ce qui est difficile de faire à cause de ton handicap? Plein de choses. Tu peux expliquer aux jeunes qu'Emeline et François vont voir? Explique-leur alors, qu'est-ce qui est difficile? De courir. C'est tout. Est-ce que tu sais lire? Non. Pourquoi? Il faut que tu travailles bien pour ça. Mais tu travailles bien pourtant, Pierre. Ouais. C'est des bravo, oui. Et pour te souvenir des nombres, par exemple, comment tu fais? Une bande de nombres pour... Une tablette aussi. Donc une bande des nombres, une tablette, et tu travailles sur un tableau normal ou pas? Comment tu fais, toi? On a un stylet. Un stylet, ou alors? Une souris. Et sinon, on peut écrire avec le doigt. Est-ce que tu aimes faire ça? Ouais, moi j'adore ça. D'accord. Donc ça, c'est en classe. Qu'est-ce que tu fais d'autre à l'IEM? Cheval. Tu aimes ça? Ouais. Quoi d'autre? De la kiné. Mm-hmm. Le mercredi des piscines. D'accord. Et le mardi matin, tu fais quoi? Et le mardi matin, des cuisines. Et avec... Jennifer, Corentin... Mais quelle est la personne qui vous apprend à faire la cuisine? C'est Marie-Christine. Et son métier, c'est quoi? C'est... Éducatrice. Technique. Spécialisée en cuisine, d'accord. Et vous allez simplement dans la cuisine pour apprendre à faire la cuisine? Non, on fait les courses. Est-ce que tu aimes ça? Ouais.
Et comment tu fais les courses? En payant. Avec des sous. Et un truc. Et un porte-monnaie. D'accord. Et tu aimes ça? Sortir, faire de la classe, vous faites des sorties? Ouais. Pas souvent. Par exemple, tu peux expliquer ce que vous avez fait comme sortie? On a été à Brunelis. On a été à Brest. On va nous battre les mines. Comment ça se passe pour manger, par exemple, à l'UM? Vous mangez où? Au self. Au self? C'est un self? Non. Alors, explique un petit peu comment vous faites pour manger. Je sais pas. On a une cuisine centrale en bas. C'est les cuisines qui nous donnent les repas. C'est bon? Oui, c'est bon. Et donc, tu manges tout seul sur une table ou comment ça se passe? Non, on a des personnels qui mangent avec nous. Il y a du personnel pour aller chercher les plats ou on vous sert à table? Non, il nous sert à table. D'accord. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, que tu détestes? Non. T'aimes bien tout. T'aimes bien tout. Il y a des soirs où tu dors à l'UM? Le lundi, le mardi. Est-ce que tu as une chambre pour toi tout seul? Ouais. Et comment tu t'occupes le soir? Qu'est-ce que tu fais? Pierre? Quoi? Qu'est-ce que tu fais le soir? De regarder la télé. De regarder la télé. C'est tout? Ouais. Ça s'arrête? Par exemple, mettons le jeudi, la classe s'arrête à 17h. Qu'est-ce que tu fais après 17h? Je devais jouer avec les autres. Et vous jouez à quoi? On m'a donné les couleurs. Des téléphones. Tu téléphones à qui? À mes parents. C'est important pour toi? Ouais. D'accord, tu leur racontes ta journée? Ouais. Et donc, après avoir appelé tes parents, qu'est-ce que tu fais? Je vais... C'est tout. Ouais, de me laver. D'accord. Tu te laves tout seul ou t'as besoin d'aide? Non, de me laver tout seul. Tu peux t'habiller seul aussi? Ouais. Comme ça. Tu fais tout seul? Ouais. Donc, après vous dîner? Ouais. Et après? Au lit. Au lit. Pour être en forme le lendemain. Ouais. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, Pierre, pour les jeunes que vont voir Emeline et François? Non. Donc, on te remercie beaucoup, Pierre, et on dit... Au revoir. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pierre, j'ai 14 ans. Tu as des frères et des sœurs? J'ai un frère qui s'appelle Romain et une sœur qui s'appelle Louise. Tu vis avec tes deux parents ou tes parents sont séparés? Ils sont séparés. D'accord. Tu es une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre? Ou c'est les week-ends et les vacances? Les vacances. Pourquoi tu es ici à l'IEM, Jennifer? Parce que je suis handicapée. Alors, ce handicap, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Le handicap, c'est pour marcher et courir. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas courir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire? J'arrive pas à nager. J'ai un corset de nuit et un corset de jour. Un corset de nuit et un corset de jour. C'est pour t'aider pourquoi, est-ce que tu sais? Parce que mon dos est trop. D'accord. C'est pas trop douloureux? Non. Non. Donc du coup, tu as de la kiné, je suppose. Ta kiné, c'est qui? Marie. Ça se passe bien? Qu'est-ce qu'elle te fait faire, par exemple, comme exercice?
femme est celle du ventre et du dos. D'accord. Alors sinon, qu'est-ce que tu aimes faire à l'IEM? La piscine, le cheval et les forces. Sur le groupe éducatif, qu'est-ce que tu aimes faire? L'aventure. Tu vas en classe également? Est-ce que tu sais lire? Non, pas encore. Tu vas apprendre? C'est difficile? Non. Qu'est-ce qui est difficile? Travailler. Tu es souvent très fatiguée? Et c'est pour ça que tu as du mal à apprendre? Oui. D'accord. Tu dors à l'IEM? Mercredi soir. Tu aimes bien? Qu'est-ce que tu fais après? Tu as des copains et des copines? Et vous aimez bien faire quoi le soir quand vous avez du temps libre? J'aime bien jouer et à la télé. Par exemple, vous jouez à quoi quand vous êtes entre vous? On joue à la poupée et au bâtiment. D'accord. Tu en as? Tu les amènes les soirs où tu dors ici? D'accord. Il y a des ateliers techniques à l'IEM? Est-ce que tu peux dire leur nom? J'aime bien la plate, les poids et tout. Donc l'atelier bois avec Marie-Christine par exemple. La cuisine. L'atelier cuisine, il y en a encore un autre? Les courses. Et avec Albert ou Roger? J'aime bien planter les plantes. Tu aimes bien ça? Tu le fais cette année dans ton emploi du temps? Oui, de l'après-midi. Le vendredi après-midi? Tu aimes bien planter? Oui. Qu'est-ce que tu as planté récemment? Je sais plus. Parmi ces trois ateliers techniques, lequel tu préfères? La serre. D'accord. Vous faites des sorties sinon? Oui. Tu peux donner des exemples de sorties que tu as beaucoup aimées? Au refuge, donc ça c'est avec le groupe éducatif. Tu aimes bien les animaux? J'aime pas trop, mais ils sautent sur tout le monde. Ils sautent sur tout le monde, donc t'aimes pas trop. Et pourtant tu as aimé cette sortie. Ouais. Ah, pourquoi tu as aimé cette sortie? J'aime bien les chiens. D'accord, tu en as à la maison? Tu as des animaux? J'ai un chat qui est grand, ça fait Lola. D'accord. C'est chez maman ou chez papa, le chien? Il y a deux chez papa et un chez maman. Donc tu joues beaucoup avec quand tu vas chez toi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter pour expliquer ta vie à l'IEM aux autres jeunes qu'Emeline et François vont voir? Non, c'est bon. Tu penses avoir tout dit? Ben, on te dit merci et au revoir. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Cynthia. Tu as quel âge? 17. 17? 17 ans. Tu as des frères et des sœurs? Deux sœurs. Qui s'appellent comment? Alexandra et Emily. Elles sont plus jeunes ou plus âgées que toi? Plus âgées que moi. D'accord. Tu vis chez tes deux parents ou tes parents sont séparés? Non, je vis chez mes deux. Tu habites où? À Arbec. Est-ce que c'est loin de l'IEM? Non, c'est plus près. D'accord. Donc, tu es ici à l'Institut d'éducation motrice, l'IEM de Dirinon. Pourquoi tu es ici, Cynthia? Parce que j'ai une maladie je suis obligée de notifier parce que c'est plus facile pour moi. Alors, cette maladie, est-ce que tu peux expliquer aux jeunes qu'Emeline et François vont aller voir ce que c'est? C'est une maladie génétique. Et donc ça t'empêche de faire des choses? Non. Alors pourquoi tu es quand même ici? C'est pour avoir toutes les éducations que j'ai besoin, la kiné, tout ça, que j'ai besoin d'avoir. Ouais. Tu ne fais que de la rééducation au centre? Non, je fais la classe, et puis du sport aussi. Par exemple en classe? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer?
Avec quoi tu travailles? Sur quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu apprends? Le français. Tout simplement. On apprend des... On fait des projets, des fortifications. D'accord. Et tu travailles avec quel matériel? Avec le tableau interactif. Et comment c'est un tableau interactif? Peut-être que les jeunes que vont voir Evelyne et François ne savent pas ce que c'est, tu peux expliquer? On fait comme un ordinateur, mais pour le relier à notre ordi, et puis on peut utiliser avec le doigt ou avec un stylet ou une souris. Et ça te plaît? Oui. D'accord. Et tu parlais de projets. Quels sont les projets sur lesquels tu travailles ou tu as travaillé? J'ai travaillé pour le pelmen, avec le bois, le c'est un projet comme ça, et puis après, là on est en train de travailler de l'électricité. Tu fais des expériences? Oui. Ça te plaît? Oui. Et avec qui tu travailles là-dessus? Avec Michel et Claire. Alors, Michel, son travail, c'est quoi exactement? Tu connais? C'est indicateur technique spécialisé. Et donc, Claire, c'est moi. Et je suis... Maîtresse. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes faire à l'IEM? Je vais faire le cheval quand je vais le lundi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est bien du matin que je n'aime pas parler. Le matin, on a les rêves, j'aime pas parce que... C'est logique, mais moi déjà je suis un peu assez logique, donc j'aime pas trop parce que travailler sur l'argent et j'ai un peu de mal à travailler avec sur l'argent. Quoi. Et c'est important pour toi? Pour faire quoi après, plus tard? Pour apprendre à faire les courses et payer les achats qu'on a achetés. D'accord. Est-ce que tu vas travailler plus tard? Oui. Est-ce que tu sais où tu veux travailler? Dans une entreprise normale. Et en cuisine, dans le milieu de cuisine. J'aime bien préparer des plats. Très bien. Sinon, toi ici à l'IEM, tu es interne. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Interne, c'est rentrer chez nous, quoi, à la maison. C'est ça, interne? Interne, c'est rester dormir, mais moi, je ne veux pas dormir toute la semaine. Alors, quand tu restes dormir, tu dors où à l'IEM? Dans l'appartement. Et comment c'est les appartements? Tu peux expliquer? C'est comme une petite maison. Il y a la cuisine, il y a la salle à manger, la télé, tout ça. La chambre, les chambres, et puis... Et vous êtes seul? Non, il y a un encadrant, mais après on est tout seul. Quoi. Et vous êtes combien de jeunes à dormir aux appartements? Non, lundi, moi je suis pas là, donc je sais pas trop combien ils sont à dormir. Mais le mardi, je sais qu'on est cinq à dormir parce que des fois il y a deux garçons qui doivent dormir aux appartements le mardi soir. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose que tu voudrais expliquer aux jeunes qu'Emeline et François vont aller voir? Non. Merci beaucoup, Cynthia. Au revoir.